Hey tout le monde, c'est XPS. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, je m'en rends compte aujourd'hui, mais bref, on s'en fout. Donc une vidéo nouveau LPS, donc j'en ai eu pas mal. Donc voilà, il y a deux lots différents. Donc il y en a un que je viens d'acheter et un autre que j'ai acheté il y a deux jours je crois. Venant de quelqu'un du lycée. Que je remercie énormément d'ailleurs, donc voilà. Je préviens que je commence par les entre guillemets moins beaux. Et que je finis par les meilleurs, donc voilà, donc restez jusqu'à la fin. Alors il y en a qui sont déjà déballés entre guillemets et d'autres que je vais déballer en vidéo. Donc c'est parti. Donc on commence par le lot que m'a été enfin pas offert mais que j'ai acheté de quelqu'un de ma case. Je ne sais pas si je peux citer son nom, mais en tout cas je l'ai remercié énormément, donc voilà. Donc il y a une vingtaine de LPS dedans, donc je vais vous montrer tout de suite. Alors tout d'abord nous avons ce singe, on peut noter qu'il est en parfait état, c'est... Voilà. Je suis pas fan des singes mais il est quand même hyper beau, enfin vraiment en bon état et voilà, vraiment beau en cause. Voilà. Ensuite nous avons ce hibou, donc voilà, qui est quand même pareil, en super bon état, enfin vraiment... Je te remercie énormément parce que tes LPS sont vraiment en très bon état, hyper propre, vraiment waouh. Voilà. Donc voilà. Ce hamster. Voilà, je sais pas si la mise au point se fait bien, si vous voyez bien, mais en tout cas. Voilà. Là pareil, en super bon état. Ce pan, je crois que c'est ça, ouais, un pan. Donc vraiment je le trouve hyper joli. Vraiment. Et encore une fois en super bon état. Donc voilà, je l'adore vraiment. Je préviens aussi, je mets pas vraiment dans l'ordre de préférence. Hein, mais je fais à peu près, on va dire. Alors nous avons cette petite coccinelle qui est absolument trop cute. Alors attendez, oh, elle a un peu la tête... je sais pas, il y a peut-être l'élastique qui a été bloqué dans sa tête. Je pense. Voilà, parce que j'arrive pas à le faire tourner sa tête. Mais en tout cas, elle est vraiment trop mignonne. Et vraiment en trop bon état. Vraiment, elle est à 9 par an, je crois vraiment qu'il y a... Ouais, il doit y avoir l'élastique qui est coincé dans sa tête, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, ce petit lapin. Bon, lui, sur le coup, il fait un peu une tête bizarre. Mais bon, voilà. C'est quoi ça? C'est de la pâte à fixe. Okay. Donc voilà, ce petit lapin. Alors, restons dans les lapins. Nous avons ce lapin bélier. Bon, lui aussi, il fait une tête un peu bizarre, mais bon, je le trouve quand même mignon. Donc voilà. Voilà. Et encore pour rester dans les lapins. Alors attention, c'est un lapin bélier que je veux depuis hyper longtemps. Celui-ci, oh, il est trop beau. Voilà, donc lui, si je le veux depuis longtemps, c'est parce que déjà, il est trop beau, quoi. Il est trop magnifique, il est trop mignon et tout. Voilà. Mais voilà, c'est surtout parce que il est passé. Enfin, c'était le LPS principal, on va dire, de la vidéo La honte d'une passion de Miss Malini 65. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé. Je vous conseille vivement, même si c'est une vieille vidéo qui date un peu, qui a un peu de qualité pourrie. Mais franchement, je l'adore quand même cette vidéo, donc voilà. Bref, donc ce LPS est juste trop cute. Voilà. Le reste des LPS, franchement, je les adore. Ah non, il y en a un encore qui est pas vraiment forcément hyper blanc, mais qui est quand même beau, quoi. Voilà, donc ce papillon, bon, on va dire que le papillon, c'est pas la forme d'LPS la plus cool et tout, mais franchement, il est en super bon état, il est quand même joli, et voilà. Donc ensuite nous avons ce castor qui est quand même trop mignon, j'adore les castors, on dirait des gros nounours. Voilà, pareil en super bon état, mais bon je vais pas le répéter tout le temps, mais vraiment super beau. Alors franchement je garde vraiment le meilleur pour la fin, mais vraiment parce que il y en a des super bien, donc voilà. Nous avons ce chien papillon, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, en tout cas il est magnifique, voilà, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est neuf, quoi, enfin c'est ouf, vraiment il est presque pas sale, il est vraiment waouh, c'est incroyable, vraiment voilà, merci. Ensuite ce chien, mais je le kiffe ce chien, voilà, ce chien, je sais plus, je crois que c'est un berger allemand la race, je sais plus, mais en tout cas il est juste trop beau, je sais pas, je le kiffe. Excusez-moi, voilà, mais en tout cas il est vraiment trop cute. Là il y a un petit peu plus abîmé, disons qu'il a le nez un peu voilà, mais bon, franchement c'est un test qui date quand même de
2007, donc bon, ça se comprend, hein, il a quand même presque 10 ans, peut-être. Bref. Nous avons ensuite ce chat, donc lui, je sais même plus si je l'ai vu ou pas. Voilà. Donc voilà, donc si je l'ai, je peux vous jurer, je sais même plus. Bref, si je l'ai, eh ben je pourrais le mettre pour le flocon. Et si je l'ai pas, bah c'est cool. Voilà. La meuf qui sait même plus ce qu'elle a dans sa collection ou pas. Alors là, on va passer quand même dans les autres placebo. Ah, on a un téléphone comment ? Cette abeille, alors je me suis rendu compte que les abeilles et Pet Shop étaient vraiment pour le coup très grosses, sans vouloir la fixer. Voilà, elle est énorme quand même cette abeille, elle est énorme. Mais bon, voilà, sinon on peut noter qu'elle est rare. Voilà, et j'avais pas d'abeilles parce que les abeilles, il n'y en a pas beaucoup je crois. Voilà, enfin si j'ai des bébés abeilles mais pas des grosses abeilles comme ça, voilà. Mais voilà, elle est vraiment trop mignonne quand même. Voilà, donc ensuite là, vraiment cette fois-ci on passe dans les PS vraiment beaux. Donc on a ce cheval, il est... J'adore sa crinière. Oh mon dieu. Voilà, bon bref, il est vraiment trop beau, à l'état neuf, pas du tout abîmé, enfin, c'est ouf. Voilà, même les sabots, ils sont presque pas abîmés, quoi. Enfin voilà, vraiment super, super beau, voilà. Alors, ensuite, alors là on passe vraiment dans les PS que je voulais, quoi. Ce chien, comment vous dire ça? Mon dieu. Il est trop beau, il est vraiment trop beau et vraiment je le voulais depuis un sacré bout de temps parce que je kiffe ses couleurs en fait. Voilà sa tronche et tout, enfin je kiffe vraiment. Voilà, alors ensuite, alors là, ce lapinou, il est trop kawaii. Ah sans déconner, depuis le début que je connais cette, enfin pas vraiment tout le début, mais depuis que je regarde des vidéos LBS, cette forme de lapin, je les kiffe tellement, mais tellement, vous ne pouvez pas savoir. Voilà, et donc j'en avais deux des lapins comme ça, donc il y en a un qui est tout doux et qu'on ne peut pas bouger sa tête, donc j'étais un peu déçue. L'autre qui est pas si beau que ça, mais lui, oh mon dieu, non mais il est trop, trop beau, trop kawaii, voilà. Alors là, je sais pas lequel vous montre en premier. Bon là je sais pas ce qui se passait. Bref, alors là on a cette édition spéciale. Alors oui je l'ai déjà mais en version toute douce, ça va entendre. Donc j'ai cette version de l'édition spéciale. Donc voilà, je sais pas si en fait celui-là il est vraiment une édition spéciale ou pas, mais en tout cas je l'ai. Et donc sa version toute douce, donc il fait un peu crado, un peu sale et tout. Lui il est en parfait état. Et cette fois-ci c'est sûr c'est une édition spéciale, donc voilà. Waouh. Tu vois comment dire, vraiment je suis trop contente. Voilà, comme ça j'ai deux versions et si je veux faire un tueur en série, bah au lieu de prendre lui qui est totalement crade, je vais prendre lui qui est vachement mieux. Voilà, alors là vraiment là le LPS que je voulais, ce collet. Parfait état, regardez-moi ce nez qui est trop bien. Bon voilà, parfait état, ce collet. Ce collet jaune, vraiment dans les collets que j'ai, je suis assez déçue des collets que j'ai sauf un. Mais voilà, j'ai presque pas de collet et je suis un peu déçue entre guillemets de ceux que j'ai. À part évidemment lui parce que lui il est vraiment trop beau, hein, mais bref. Voilà, j'ai pas les collets les mieux du monde, mais lui, il est trop beau. Mon dieu, il est trop trop beau. Voilà. Voilà. Alors j'ai eu un autre EPS, mais que j'ai déjà, donc du coup je pourrais éventuellement l'échanger avec Flocon, mais c'est ce. LPS qui a vraiment le nez parfait. Moi j'ai le même mais en version nez pas du tout parfait. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite on va passer au deuxième lot de LPS. Alors attendez, je vais juste ranger. Ah oui, puis j'ai une couronne aussi, donc c'est sympa. Voilà, donc là on va passer au deuxième lot donc que je viens d'acheter. Alors là pareil je fais du moins bien entre guillemets au mieux. Sachant qu'il y a vraiment du cool, voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, on a ce petit chaton, alors malheureusement j'ai pas trouvé les deux autres parce que c'est un chaton qui vient d'un truc de triplet. Donc voilà, et j'ai pas trouvé les deux autres, mais c'était pour 1€, donc avec l'accessoire je trouve que ça va vraiment être cool. Donc alors attendez, je vais ouvrir ça. Oh mon dieu. Voilà, donc il y a une petite balle. Une petite balle. Oh putain, je kiffe l'avoir en main. Par contre, il tient pas très bien debout. Voilà. Donc, ce chaton, oh, mais il est trop mignon. Voilà. Avec cet accessoire que j'avais déjà pour toi, mais voilà, le pack à sable. Voilà. Mais ce chaton, oh, il est trop, trop, trop. Vraiment. Voilà. Je le kiffe.
Je kiffe parce que ses yeux ils sont assortis à son nœud en fait. Enfin, comme ce LPS là, j'ai mis le nœud la même couleur que les yeux. Enfin, bon, on s'en fout. Voilà, alors ensuite. Alors là, on a ce lot de deux LPS, donc deux Blairwin comme dirait Canocotes. Voilà. Donc lui, je l'avais pas. Lui, je l'ai déjà. Donc du coup, ça va être pour les échanges. Alors j'ai eu ces deux-là pour 1€. Ce qui vaut quand même le coup parce que c'est quand même trop beau cette forme. Donc c'est pas les plus recherchés. Alors attendez, je vais trouver un moyen de l'emballer. Et il y a un accessoire avec, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas trop à ce que c'est, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, moment déballage un peu galère, voilà. Donc voilà celui-ci qui est un peu sale, un peu crade pour le coup. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai déjà, donc du coup, voilà, je l'échangerai avec le coco. Voilà. Alors on a cet accessoire. Oh putain. Je crois que c'est un sac à main, genre. Je savais pas que ça existait comme accessoire en fait. Voilà, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir du coup cet accessoire. On a aussi encore une sorte de sac à main, je crois. Non, c'est un petit coffre-fort. Je crois un petit coffre. Enfin voilà, c'est mignon. C'était un peu mordillé, mais on s'en fout. Et donc ce Blairwin. Enfin, je dis Blairwin parce que oui, je suis fan de Canocapes. Alors, il est trop mignon, voilà. Donc, j'ai genre à peu près le même, mais en gris. Voilà. Il est vraiment trop beau, j'adore ses yeux, genre vraiment. Voilà. Donc, ensuite, donc cette chenille, alors moi je kiffe cette chenille. Voilà, donc du coup je l'ai acheté hein, tout simplement. Donc pour 1€, en plus c'est un accessoire qui est plutôt sympa. Donc, je vais déballer ça tout de suite. Si j'y arrive. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc cette chenille, voilà, genre je la kiffe, voilà, j'adore son regard, genre hey, salut. Non mais franchement je kiffe, voilà. Et donc cet accessoire, une sorte de motoneige, je sais pas comment dire ça, mais voilà, cet accessoire qui est plutôt bien. Ensuite, alors là les deux, il reste encore trois petits paquets. Il y en a deux que vraiment, vraiment, ils sont trop contents. Donc là, on a ce lot donc avec ce chat et ce chat lèche-pattes. Voilà, je l'ai acheté pour le chat lèche-pattes parce que ce chat-là, je l'avais déjà. En plus, c'est un peu écribouillé. C'est pas grave, je le ferai pour l'échange. Donc je vais ouvrir ça tout de suite. Ah, je viens de remarquer qu'il a été gribouillé en A derrière. D'accord, très bien. Bon, alors je suis un petit peu déçue du coup. Oh putain, là. Bon, il est un peu défoncé, hein. Sur le coup, je suis un petit peu déçue parce qu'il est un peu défoncé. Je pourrais peut-être rattraper ça, mais je ne sais pas trop comment. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, non, en plus avec un A derrière, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec ce LPS, mais bon. Et ensuite, donc on a ce LPS qui est encore jusque derrière, voilà. Donc ce LPS, donc voilà, que je garderai pour les échanges, en fait je suis vraiment déçue. Oh putain, je suis un petit peu déçue, j'avoue. Voilà. Donc en accessoire, on a cette petite souris, voilà, et ce petit panier que je n'avais pas, donc c'est plutôt sympa. Alors là, ensuite, là on passe vraiment aux deux lots vraiment mes préférés, hein, les deux trucs préférés. Ce lot de danois, donc je l'ai acheté pour ce danois parce que je l'avais pas. Celui-ci, je l'avais déjà, donc ça va être pour Flocon. Et celui-ci, je l'avais déjà, c'était pour Flocon aussi. Et lui, bah je l'ai pas, mais voilà, c'est pas trop danois. Et tout ça pour 2€, 2€ quoi. Donc, du coup, ouais, je l'ai mal. Donc lui, il est un peu décoloré ici, donc lui, c'est voilà, un peu décoloré l'oreille. Mais en tout cas, voilà, je l'avais déjà mis, donc voilà, voilà. Alors lui, ah bah lui, il est quand même trop mignon. Voilà, il est un petit peu abîmé, hein, je vous avoue, mais voilà, il est quand même trop mignon. Alors, oh my god, mon dieu. Bon, pareil, il est un peu abîmé à l'oreille, comme on peut le voir. Il a peut-être été mâchouillé, peut-être un petit peu, je sais pas par quoi, peut-être un chien, ou peut-être un humain, peut-être, je ne sais pas. Bref, mais en tout cas, il est vraiment trop beau, donc il n'est pas trop abîmé, je veux dire, ça va. Oh là, il est juste un peu griffonné à l'oreille, mais sinon, ça va vraiment. Ouais, voilà, je le kiffe. Je me kiffe. Enfin, voilà. Et donc, on a ce danois hein, que j'ai déjà. Ah là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il est en meilleur état que celui que j'ai. Je ne sais pas. Attendez. Voilà, celui que j'ai, c'est celui-ci. Donc, ouais, il est peut-être en meilleur état que le mien. Je ne sais pas, je verrai bien. Je l'ai
comparer, écoutez. Voilà, il a l'air plus grand que le mien, déjà, ça c'est sûr, lol. Mais bon, voilà. Donc lui, en tout cas, il sera direction Lilou. Enfin, direction Flocon, quoi. Voilà. Et là, le dernier. Mais là, c'en est un que je voulais depuis tellement longtemps. Donc je sais pas si vous allez le voir. Mais là, en fait, c'est Tiger. Ce tigre. Alors, il y a, je vous rassure, c'est pas le tigre vraiment le plus rare parce que c'est pas la version Nouvel An chinois. J'aurais été trop contente. Hein. C'est la version celui qui se vend avec une carte postale. Donc voilà. Alors là. Oh, là, pour le coup, il est en parfait état. Mon dieu. Je suis trop contente. Et puis avec... Oh, c'est parfait, j'en ai besoin pour ma série, ça doit exister comme ça. De la bouffe, de la viande, du poulet. Oui, j'en ai besoin pour ma série. Parce que j'ai pas d'accessoires viande, en fait. Donc là, c'est parfait. Alors, par contre, je déballe juste le truc plastique autour du machin. C'est très français. Voilà, donc, puis ça... Hein. Mais oh my god, que d'émotion, quoi. Le Tiger. En plus, pour le coup, il est tellement en bon état. Bon, si je mets ça de côté. Voilà, il est vraiment en super bon état. Il est vraiment trop bon. C'est vraiment épais que je voulais depuis hyper longtemps. Donc, je suis trop contente. Il est fabriqué quand, lui? En 2006. Genre 2006. Ok, bon, voilà. Où est là? Je suis trop contente. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'ai eu beaucoup d'épais quand même. Je me rends compte. J'ai eu beaucoup d'épais. Donc, voilà, donc cette vidéo est déjà terminée. Ben, j'espère qu'il vous a plu, que mes LPS vous auront plu, en tout cas moi ils m'ont beaucoup plu, je le kiffe. Voilà, vous pouvez dire en commentaire lesquels ont été vos préférés. Moi personnellement mon préféré c'est celui-ci et celui-ci. Ah là là là. Et puis celui-ci au passage aussi, voilà. Voilà, bref. Et voilà. Donc, voilà, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Voilà, je peux pas dire d'autre. Voilà, j'espère, Flocon, que tes LPS te plairont, à savoir, je sais pas si tu l'as déjà, mais celui-ci, également celui-ci et celui-ci pour toi, et puis un autre, où es-tu? Et puis celui-ci, voilà. Enfin bref. Voilà. Cette vidéo est déjà terminée, on vous fait de gros bisous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les petits chats.